Jésus, merci. Viens ici, t'as mis quoi l'entrée de la porte? Je crois que moi tu peux pas ton piège. Hein? T'as mis quoi l'entrée de la porte là? Viens ici, suis-moi, dans le micro là-bas. T'as mis quoi l'entrée là? T'as mis quoi l'entrée? Hein? Tu as mis quoi l'entrée? Tu es malade ou bien? Tu parles pas en français? Qu'est-ce que ça paraît ici? Attends, moi pour t'appeler. Viens ici. C'est moi tu veux tuer. Tu me dis un passé, demande si toi ou bien. Demande si toi. Mais tu as mis quoi l'entrée là? Tu as fait quoi l'entrée? Tu as mis quoi l'entrée? Je suis descendu de la voiture, il y avait quelque chose, j'ai prié et ça a disparu. Tu as mis quoi l'entrée? Tu as mis quoi l'entrée? Pasteur, tu es mon pasteur, pas pardon? J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Tu n'es pas parti? Parce que tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Je n'étais pas parti. Parce que tu dis quoi? Tu n'es plus sûr, c'est pas ça? Tu es parti, non? Qui t'avait venu? Pourquoi? Tu as mis. Hein? Tu as mis. De délivrer. Elle ne peut pas penser, ça délivre. Hein? Hein? Mais français, on peut parler là. On ne peut pas, on délivre. C'est pas ça? Hein? Français, on ne peut pas français. Hein? Le trou que tu as mis là, piège, le trou là, si mes deux pieds, un trou mystique, si mes deux pieds là dedans, ça me casse les pieds, ça me paralyse. C'est pas ce que tu as fait? Je te demande! Mais tu as fait! Tu n'es pas sorcier! Tu n'as pas, mais écoute-moi, non, je ne vois pas clair, moi je ne vois pas clair. Tu vois clair. Tu vois clair. Faut pas discuter, moi j'aime pas les conneries qui t'ont dit de faire là. Oui, donc mec, pourquoi tu as mis le trou mystique là? Pourquoi? 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 J'ai été chassé d'ici, hein? Hein? De délivrer. Vous m'avez chassé. Mais tu as mis quoi? Je venais ici, je ne voyais pas clair, tomber dans le piège, ça me détruisait. Ça allait me paralyser. Ça touche pas ou bien? Oui, mais réponds-moi ou bien? Je suis contre toi. Est-ce que moi je suis contre toi? Est-ce que moi je suis contre toi? Je ne vais pas venir te mentir. Tu as mis quoi sur la porte? Tout à l'heure, là, tu as fait quoi? Ça fait deux fois que je te demande. Hein? Je ne peux pas jouer à moi. Hein? Faut pas jouer à moi. Vous savez qu'elle était sorcière? Oui. C'est pas ici que tu as parlé. Hein? Quand je suis parti à Abidjan, tu as quitté ici, non? J'ai dit au secrétariat qu'elle n'a qu'à partir. Il t'a dit d'en revenir. Donc, quand tu es revenu là, tu as mis ton trou mystique pour tuer. C'est ça? Je te demande, on va continuer. Pasteur. Je te demande, oui, c'est pas ça? Oui. Hein? Oui. Oui, viens montrer comment tu as fait ça. Viens. C'est quoi tu veux manger? Elle dit quoi? Dans le micro là-bas. C'est pas que c'est tout le monde mange. C'est moi qui as mangé ta sauce, sauce gay. Elle a mangé sauce gay. C'est moi qui ai tué. Quand toi comme ça, tu as me tué. On est venu aider tout le monde. Mais pourquoi je vais t'aider et puis c'est moi qui vais tuer? Pourquoi? Hey, de toi à moi qui dois demander pardon pour faire du mal. C'est toi qui vas faire du mal. Hein? Mais ton cœur, pourquoi c'est mauvais comme ça? Hein? C'est moi qui vais te délivrer. Tu es ici, tu dis non, tu es parti à Abidjan. C'est pas ça? Oui, oui. Quelle arrivée à Abidjan du quoi? Elle a dit au début, elle a dit que c'était faux. Ouais, maintenant, pourquoi elle est venue? Pourquoi elle est venue? Pas fini quand on a parlé. L'expression chouette. Elle a accepté que oui, c'est vrai. Ah, maintenant qu'elle est venue, maintenant, elle a dit bon, prophète la mère, elle est tuée. Tu me dis rien. Papa, il va te tuer. Ah, mais dis-tu, c'est qui t'a fait? Pourquoi vos bouches là, ça vous crée des problèmes? Reconnaître là, pourquoi ça vous crée des problèmes? Oh, je vois. Tu sais que je vois, non? Je te demande, tu sais que je vois, non? Dieu m'a fabriqué à cause de vous, les sorciers. C'est à cause de vous, Dieu m'a fait ça. J'ai dit ça la dernière fois, on est en février, c'est janvier, là, je me suis reposé. Quand j'ai repris le travail, vous les sorciers là, quand vous allez jouer cela, tu as eu raison de venir. Hein? Quand tu dis battu, ils m'ont posé la question, j'ai dit, elle n'a qu'à partir. Celui qui veut délivrer, on le délivre. Celui qui veut délivrer, il s'en va. Tu vas et tu meurs, on crée un petit trou, on te met dedans. Donc tu es revenu là, c'est pour me tuer. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Quand tu es venu, tu as fait quoi? Avant d'avancer. Ah, donc je mens. Donc je mens. Donc je mens sur toi, je mens. Non, tu n'as pas dit. Donc je mens sur toi, le trou là, c'est pas toi qui as mis ça.
pour me piéger, le tuer. C'est pas toi qui as fait. Non, je te demande d'abord. C'est pas toi qui as fait. Hein? Mais pourquoi tu es comme ça, tu es comme ça? Tu reconnais comment? Tu reconnais ça comment? Avec par là, beaucoup de par là ou bien? Oui, tu pensais que ça allait me prendre. Tu penses que ça allait me prendre? Non, je demande, tu penses que ça allait me prendre? Hein? Moi, je cherche déjà à la maison, je connais ce qui se passe ici. Si tu n'étais pas en Dieu, là, longtemps, je suis mort. C'est pas sorcier qui va me tuer, c'est Dieu qui va me prendre ma tête, mais d'abord, c'est pas maintenant. Ben, je dois m'attraquer d'abord vous les sorciers. Amen. Je dois vous juger. Vous avez mangé mon papa, vous avez mangé ma maman, vous avez tout mangé autour de moi. Je suis resté à côté de vous. Tu as dit, je suis parti à Abidjan, j'étais ici, non, hein? Avec les sorcelleries. Quand je suis parti, je n'ai plus sorcier, c'est pas ça? Ils m'ont appelé, j'ai dit, elle n'a qu'à partir. Où elle est quittée? Elle n'a pas parti. On cherche pas les gens. Les gens qui viennent se faire délivrer, on les délivre. C'est le seul endroit le plus sûr où qu'un sorcier vient, il est convaincu qu'il sera délivré. On t'a, bon, on t'a laissé partir, non? Pourquoi tu as revenu? Non, délivré. Elle ne parle pas bien français. Oui, si, si. Elle peut entendre le français, mais elle ne parle pas bien. J'ai été délivré. J'essaie de délivrer. Je pose la question. J'essaie de délivrer. Hein? J'essaie de délivrer. Mais pourquoi tu es quitté ici pour dire que tu n'es plus sorcier? Pourquoi? Je te demande, faut répondre, hein, parce que je vais travailler, tout de suite, je vais au travail. C'est parce que c'est pareil, tu as commencé à faire des conneries là. Tu as peur pour aller manger encore les gens. Tu as peur. Et regarde ce qu'elle dit. Tu as quelque chose en toi qui n'est pas bon. On va enlever ça. Et toi, tu fuis. Non. Tu es venu. Maintenant, quand tu es venu là, tu as fait quoi devant la porte? Le trou que tu as mis là, pourquoi tu fais ça? Tu es venu simplement. Tu n'as pas peur de tuer un homme comme moi. Ça t'effraie pas. Hein? Hein? C'est maintenant qu'il te montrer qui a mis sucre dans l'orange. Oui, il a montré qui a mis sucre dans l'orange. Orange est sucré, non? C'est pas amer. Il te montrer qui a fait ça. Tu me demandes pardon. Il t'abatte. Hein? Tu tues les gens. Tu tues les gens. Laisse! Laisse les gens vivre la vie, ou bien? Laisse les gens vivre la vie, Dieu les a créés, là, ils ont une destinée. Vous venez les déranger, laissez-les vivre la vie, ou bien? Tu es venu là, si tu ne m'avais pas provoqué, j'ai été laissé. Ou bien? Tu viens chez moi, c'est ça, on a bien violé ça à domicile. J'ai chez moi là, tu viens me tuer. Là, quand il y a marché ici, doucement, doucement, poison dans mes pieds. On dit le maréchal, à quel problème? Doucement, on dit il est mort. Moi-même, vous êtes vaincu mille fois. Amen. Au nom de Jésus, bien sûr. Amen. C'est moi qui ai joué. Pourquoi ton cœur est mauvais comme ça? Tu as tué combien de personnes? Hein? Hein? Combien? 27. Parle fort, hein? Hein? 27. Comment tu fais pour tuer? Le fais chat. Hein? Chat. Comment tu fais ça? Fais comment fais chat? Fais comme fais chat! Fais comment faut montrer comment tu tues les gens. Tu peux mon travail. Hein? C'est quand même provoqué. Pourquoi tu viens chez moi à mon travail et tu trépieds? Comment on va attraper la boutique pour me manger? Hé, sauce grecque, tu peux manger. C'est sauce grecque. Un homme comme moi, c'est sauce grecque. Hein, tu t'es dedans. C'est moi qui viens manger sauce grecque. Hein? Tu dis quoi? Mais qui doit avoir pitié de toi, moi, qui doit pitié de son camarade? Moi, je vais te délivrer, toi, tu veux me manger. Qui doit avoir pitié de son camarade? Toi qui me vois en abouti. Toi qui me regarde là, c'est moyen sur graine. Oh, moi, il te voit comme une personne. Et tu dois avoir pitié d'elle. Mais qui est agressif? C'est toi qui es agressif. De toi, moi, c'est toi qui es agressif. Qui a provoqué son camarade? Qui a provoqué son camarade? C'est toi qui a provoqué par là. Non, on va terminer. On a commencé. On va terminer. Tu me demandes pardon. Pourquoi? Parce que tu veux manger. Hmm? Parle fort, hein. Je défends que mon pardon. Eh, j'ai accepté. Maintenant, je te demande pourquoi tu fais. Tu as laissé comment? Maintenant, si je suis tombé dans le trou là, quand je suis descendu le véhicule, ceux qui m'ont vu là, ils commencent à prier un peu. Je vous moi.
Je vous mouille jusqu'à fatigué. Je fais une prière, disparaît, je rentre. Tu vas mourir, hein? Je dis la vérité. C'est pas amusement. Nous sommes en 2016. Les temps passés, je vous ai toléré, je vous délivre. Maintenant là, c'est du tic au tac, le retour à l'envoyer. C'est pas amusement. Toi-même, tu sais ce qu'il y a à moi. Hein? Je connais pasteur. Tu connais ça, non? Je connais. Tu sais ce qu'il y a à moi? Je connais. C'est pas de l'amusement. J'étais musulman que je suis devenu chrétien. Hein, moi, je suis pas venu comme ça à l'église. Je n'étais pas chrétien. C'est Jésus qui m'a guéri. J'ai vu Jésus plus de 30 fois. C'est pour ça que je suis chrétien. Sinon, ce n'est pas fait à cause de l'enfer. Non, j'ai peur d'aller à l'enfer. Non. C'est parce que Jésus m'a délivré que je le sais. Je l'ai vu. Il m'a dit, je te donne un pouvoir et va délivrer les gens. C'est pour ça que je ne joue pas à vous. Ce n'est pas de l'amusement. C'est une alliance entre moi et Dieu. Chacun de Dieu a son travail. Moi, mon travail, c'est à cause de vous. Dieu m'a fabriqué à cause de vous. On a 2016, hein? C'est moi que tu veux manger. Est-ce que graine? Mais oui. C'est laquelle est-il? Libérienne, non? Mais c'est bien sauce graine. C'est courbaine, non? Mais c'est sauce graine, combien? C'est sauce graine. C'est normal. Ah, voilà, il a dit, je l'ai mangé. Bonne sauce graine. C'est moi, un foutu, guéri. C'est moi que tu veux manger. Tu tues comment? Tu as tué 27 personnes, c'est pas ça? C'est ce qu'il t'a dit, non? Comment tu les tues? C'est toi qui as provoqué. Je suis venu tranquillement t'approuver par là. Hein? Oui. Tu as commencé à en finir. Hein? Non, elle a fini ça. Hey, de toi à moi, qui doit être dans mes parents, son camarade? Bon, ok, accepté. Maintenant, parle. Hey, laisse-moi. Hein? Eddy, comment tu fais pour tuer les gens? Faut parler, hein? Faut parler. Hein? Oui, allons-y. Mais vas-y, c'est pas rhétorique, mais faut que c'est ta bouche, je veux que tu l'entendes. Hein? Explique comment tes méthodes. Elle m'a provoqué. Il est 16 ans, non? Oui, il nous travaille. Oh, tu as mis piège ici. Tu as mis manger. Hein? Je parle français. Hein? Tu m'as vu là, je suis un chinois. C'est pas chinois, ils sont en train de parler, c'est français. Si tu comprends pas, on va t'apprendre, on va te parler dans ton ethnie. Tu as prononcé quoi là? Tu as dit quoi? Comme tu as dit parler l'histoire. Tu dis quoi? Je parle français. Moi, ma ministre, le tenait bizarre. Le français, il parle. J'ai dit, tu fais comment pour tuer les gens? Ça, il dit, il est poison. Mm-hmm. Puis tu dis, tu es chat encore. Mm. Tu as commencé par chat, c'est pas ça? Mm. Puis tu empoisonnes comment? Il faut expliquer. Manger. Explique. Il met poison à manger. Explique ça bien. Il met poison à manger. Mm-hmm. Et puis il mange, et puis il meurt. Ok. Et puis quoi encore? Et puis souvent il fait maladie. Tu donnes maladie aux gens? Comment tu fais? Souvent c'est. Il lance. J'explique! Il lance maladie là. Comment tu lances? Mais souvent il est même sous la personne. Mais la personne a où? Et puis tu es allé jeter maladie? Souvent c'est le. Chez moi, souvent on pose son encens comme ça. Où est le purgeois là? Tu es un purgeois quand tu ponds comme ça. Quand tu pars, tu prends l'âme des gens. C'est où? Ça est où? Il est laissé où? Mais quand tu venais là, pourquoi tu n'as pas envoyé ça? Quand tu venais ici, pourquoi tu n'as pas envoyé? Pourquoi? Déjà vivre la vie, toi tu veux utiliser un poison. Tu trouves ça normal? Qu'est-ce qui t'anime? Tu as quoi en toi? Un être humain, tu le regardes, un être humain comme toi, qui respire comme toi, il est né comme toi, la personne est comme. Et puis toi tu le regardes et tu as les kilos d'aller empoisonner un être humain. Et puis ça te dit. Non, écoute, attends. Tu empoisonnes les gens. Moi-même, quand je vois le sang de l'homme, là, il y a peur. Et tout ça vous dit rien. Vous êtes convaincu que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour tuer la personne. Et la personne meurt, et ça te dit rien. Et tu continues quand faire cette personne. Et puis tu viens, c'est moi tu veux manger. Tu viens devant ma cour, tu tournes un piège, mais manger une sauce graine.
Où est Pirijo là? Mais quand tu venais ici, pourquoi t'as pas envoyé? Pourquoi t'as pas envoyé ça? Il te demande, hein? C'est ça, il n'a pas envoyé. Mais pourquoi t'as pas envoyé? Quand on attrape bandit là, c'est qu'on l'arrache d'abord sur son pistolet. Il sait ça? Oui. C'est ce qu'il fait pour braquer, tuer là, c'est ce qu'on prend. Toi tu viens, tu dis tu vas te faire délivrer. Oh, n'est pas venu réellement pour te faire délivrer. Elle est venue t'enseigner. Hein? Faut arrêter tes conneries là. Toi-même tu sais que je te vois, je sais. Tu es chrétienne? Oui. Tu es où ça? Hein? Tu es responsable dans une église? Oui. Hein? Oui. Tu fais quoi à l'église avant? C'est ça, c'est une maman. Hein? Maman. Ok. Tu ne gorges pas les gens que tu tues à l'église? Elle a pris l'église, elle l'a mis dans son sexe. Oui, non, ça va aller, ça va aller. Elle a mis l'église dans son sexe. Tu as mis l'église là-dedans, là-bas, non? Hein? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Hein? Oui. Ah, donc tu penses que c'est qui tu fais là-bas, là? C'est qui doit venir faire ici? Ah, tu as fait? C'est pas ça, ça, c'est parce que ça va manger? Tu as fait ça? Tu as gâté l'église, tu les chastes. Quand les gens viennent, tu sais pas, là-bas, tu fais... Toi, tu mets ça, tu te promets à l'église. N'est-ce pas? Tu es maman comment? Le nom maman, tu vas dire c'est un musulman, donc c'est conjoint. Tu es maman, ça veut dire quoi? Déjà, ça signifie tu es maman. De quoi? Maman qui mange. Je te demande ou bien? C'est son maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Nous ici on a les délivreurs, on a les gars qui intercèdent, on a les musiciens. On est les pasteurs à joint. Maman, là, d'église, ça veut dire quoi? Maman, d'église, ça veut dire s'il y a quelque chose, vous t'asseoir pour parler. Ah! Soit vous allez faire un programme à l'église. C'est toi qui donne conseil. Tu sors en train de donner conseil. Vous comprenez? Elle vous regarde en poulet, en cabri, en pétard. Vous finissez, mais lui, il est arrivé. Il faut qu'il parle dans la sauce claire ou sauce graine aujourd'hui. On les mangeait à photo. Donc, tes mamans, tu tues les gens. À vrai dire, c'est là-bas, vous êtes où là? Donc, tu es la patronne de toutes les. Tu es la reine là-bas, non? N'est-ce pas? Je te demandais, tu es venu faire quoi? Tu as dit quoi tout à l'heure là? Je suis venu délivrer. Non, délivrer. Il y a moi, il y a. Délivrer. Délivré. Voilà. Il faut retenir ça. Hein. Délivré. C'est pas défilé. Délivré. Délivré. Défilé, c'est comme ça. Délivré. Oh, délivré. Délivré. On te déchaîne. T'as compris? Pourquoi pas français? Tu fais sorcellerie, il fallait attraper français même dans ta tête. C'est important tout ça. Délivré. Tu veux que tu fais quoi? Délivré quoi? N'inquiète, tu fais quoi? Délivré. Elle veut quoi? Délivré. Mais elle apprend aussi. Elle apprend français, moi. Voilà, maintenant tu as bien parlé, c'est délivré. Or, ici, quand on dit délivré, là, on parle. On a commencé la dernière fois, non? Je t'ai posé la question. Parce que la dernière fois, elle est venue ici. Elle est dans mon bureau, les gens sont venus, tout ça. Elle n'est pas sorcière. Elle dit, hey, pardon, tu sais, tu peux mentir à des gens, pas moi. Tu peux mentir à des gens, crier, pas moi. Parce que moi, j'ai le détecteur. Ça t'a déjà pris devant moi la même tête, je suis sorcière. Donc, il ne faut pas venir discuter. Elle n'est pas sorcière. J'ai dit, ah, tu es en train de me provoquer. Ben, tu discutes là, le cœur là. Il y a ce qui est bon. Et puis le mauvais là va venir, il est allumé. On est en train de finir janvier. On est en train de rentrer en février. On a commencé février là. Il faut commencer très bien. Tout ça. Elle dit, elle n'est pas sorcière. Je lui ai demandé de sortir de mon bureau. Sortir de mon bureau, il a dit, on sait, allez réfléchir. C'est après, elle m'a dit, non, elle veut parler. C'est pas ça? Je vous montre bien. Ouais. Elle dit, elle va parler. Tu veux parler comment? Tu n'es pas sorcière? Elle dit, oui. Elle reconnaît sa sorcière. Elle dit, ah, ça fait des bouches que tu fais. Moi, il t'a dit là-bas que je t'ai vu. Elle dit, oui, maintenant qu'elle reconnaît. Mais pourquoi elle avait honte? Elle dit, ah, c'est une petite honte dans mon bureau. Donc tu acceptes la grande honte? Elle dit oui. C'était lundi matin. Je les mets en journaux là.
faut parler. Elle a commencé à parler un peu. Il a donné deux balles à Abidjan. Non, elle n'est pas sorcière. Tu n'as pas dit aux gens ici que c'est moi qui t'ai forcé. Moi, je peux te forcer. Souvent, il est déchargé du bureau. C'est pas moi qui ai dit quitte mon bureau. Non, je t'ai forcé. Non. Tu sais qu'on avait forcé. Tu m'as pas forcé. On a enchaîné. Je t'ai enchaîné. Non. Je te donne une drogue. Hein? Tu es parti à Abidjan. C'est moi qui t'ai dit de venir. Faut pas. Vous allez jouer à nous. Hein? Oui, c'est ça. Ne jouez pas à nous. Hein? Ici, nous délivrons les gens. Je suis déjà plus de 7000 sorciers qui ont délivré. Oui, depuis 2006. Ça fait 10 ans que nous sommes dans cette histoire de délivrance. Nous les traquons, nous les poursuivons pour les délivrer. Celui qui répond le matraque, on l'amène à la mort. On délivre les gens dans les villages. Ça fait plus de 7000 sorciers qui nous ont délivrés. Oui, nous les délivrons. Non seulement on travaille, on ne fait que ça ici. On ne fait que ça. Je t'ai dit, tu es parti, non, mon secrétaire m'a appelé pour dire non, il n'y a qu'à partir. Dans la ville, là, chacun cherche ce qu'il veut sur la terre ici. Chacun cherche ce qu'il veut. Nous, on sait ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on est ici. On craint Dieu, on veut marcher à lui pour qu'il nous bénisse. Tu es revenu? Je suis venu, pasteur. Non, pardon, une bien. On dit délivré. Délivré. Ton intelligence, t'as envoyé ça où? On dit délivré, t'as compris? Hein? Tu es parti, non? J'ai dit au secrétaire, laissez-les partir. Vas-y, ici, là, c'est pas un point où c'est un spectacle. Non, je suis pas attendre, je suis parti. Non, tu es revenu. Tu es revenu. Oui. Maintenant, tu reviens, on est des cannes. C'est le délivré. Tu es mangé. Et je pose la question, tu tournes, tournes. Tu dis aux gens ici, non? Et quand je parle, tu dis oui. Donc, quand je parle là, tu dis oui. Tu n'es pas sorcière? Si. Hein? Maintenant, pourquoi tu es revenu? Pourquoi tu es parti? Tu étais parti pourquoi? Hein? Ça va pour revenir. Ah, comme j'étais pas bien préparé, j'allais me préparer. Maintenant, je vois ce qui est en toi là, si c'est fort, on va tester les deux pouvoirs. Je comprends. Hein? Donc, tu es venu, tu as mis piège. Tu attends, t'entends ton abouti pour manger. Tu vas tomber dedans, tu vas l'attraper pour le manger. C'est ça? Il y a des demandes, hein? Je suis venu travailler, les 16 heures. Je viens, je vois le c'est, ouais, je vais vous expliquer. Les pieds hémicycles, là, quand c'est préparé contre toi, c'est toi, ça prend. Non, ça prend pas. Vous ne voyez pas ça, donc vous dépassez. C'était destiné à moi, donc c'est moi, ça va prendre. Oh, j'ai oublié quelque chose que je vois. Je vois 5 fois que. C'est comme ça que je suis. Quand il y a fétiche, je connais ça. Depuis au Carrefour, là. Ma tête vibrait. Moi, c'est mon danger. Il faut être comment? Mais si tu as fétiche sous la terre, tu as fétiche quelque part, tu as un truc mystique, déjà ça commence depuis le carrefour. À moins de 1 km, je sens déjà des choses. Puis je viens faire les choses. Tu remets ta tête. Tu as vu comment j'ai déjoué ton plan? Hein? Bon, je ne te délivre pas. Faut partir. T'as compris? Je n'ai plus de délivrer, t'as compris? Où tu as parti? Comme tu m'as loupé, tu vas aller mourir là-bas. Hein? Pardon. Mais comment tu dis quoi? Pardon. Mais tu vas partir? Pardon. Non, pardon, bien, délivré. Hein? Non, délivré. Tu as fui la première fois, non? Hein? Hmm? Tu dis quoi? Toi, tu connais Dieu. Elle dit à cause de Dieu. Tu connais Dieu. Faut respecter Dieu, hein. D'avoir pitié de toi. C'est moi qui dois dire, faut avoir pitié de moi, faut pas me manger. C'est moi qui dois te dire, pardon. Ne me mange pas. Aie pitié de moi. J'ai tout ce monde-là à délivrer. C'est toi qui as fait piège contre moi. Hein? Hein? Elle est partie à la maison. Pourquoi tu es revenu? C'est ça, il est délivré après ça. Délivré, non? Oui. T'as combien d'enfants? Oui. Le dernier à quel âge? Oui. Tu es nourri sans plus. Oui. Ton mari est où? Et pourquoi?
Il dit, pourquoi pas? Il était dans la pharmacie. Non, si, je l'ai vu. Arrivé là-bas, même lui-même, au début, il a nié. Mais c'est quand il y a une femme parmi elle qui a dit la vérité, tout ce qu'il t'a dit. Mmh. C'est la vie là, ça fait que oui, ça. Mais elle a commencé à parler devant lui ici. Il fallait qu'il lui assiste. Vous ne voulez pas venir? Non, il faut que vous l'appelez. Hein? Mais c'est sa femme. Elle a quel parent ici? Elle a son frère. Oui, il y a tout ça. Il faut que son mari là assiste à ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont cette capacité là de tenir la mémoire de quelqu'un. C'est ta soeur? Oui, elle parente comment? Famille comment? Famille comment? Parce que la dernière fois, les femmes là ne sont pas venues. On s'est maintenant, je vous docou. Elle est venue comment? Tu es venue comment ici? Tu es venue comment? Je suis venue après le problème de sortir. Hein? Je suis venue après le problème de sortir. Mais c'est vrai, parents même sont. Bon, nous, disons, on va vous expliquer un peu. Quand elles sont quittées ici, arrivées là-bas, elles n'y étaient que. On n'a rien dit ici. Donc, il y a une femme parmi les groupes qui a dit non. Arrivée, voilà ce que le pasteur t'a dit. Elle a dit, au début, elle n'y est. Mais après, elle a accepté. On dit, t'a nié là-bas encore. Oui, au début. C'est vrai. On dit, t'a nié. Mais c'est après, elle a accepté. Bon, comme c'est le chef. Le chef même nous a choisi, il dit non, ça là pour bien vérifier. Le chef a choisi de dire qu'ils sont frères. Tu n'es pas sorcier. Et puis la femme là est venue vérifier. Je suis sorcier. Hein? Je suis sorcier. Tu l'as vu toujours. Il a parlé même là-bas. Hein? Il a parlé même. Mais parce que tu as voulu qu'on te mette une pression. Ici, on ne t'a pas forcé. Oh, la honte. Tu ne voulais pas là. Tu as gagné ça là-bas. Tu as vu comment vous êtes les sorciers. On est dans le bureau ici. Là. Comme Dieu, il est juste. C'est son temps de te dévoiler. Il ne voulait pas que ça soit seulement ici, que ça soit là-bas. Oh, ta ruse, tu ne comprends pas ça. Elle n'a pas compris le message de Dieu. Aurait que ton cœur soit tranquille et puis tu me laisses tranquille. Mais tu veux moi-même, tu es tant piège devant moi. On est forêt classée. Tu es tant piège. Comment tu as fait ton piège? Allons, Dieu me montrer. Allons-y. Tu dis quoi? Hé! Hey. Tu dis quoi? C'est moi qui t'ai envoyé ici? Non. Montre-moi comment t'as fait ton piège là. T'as cherché, t'as trouvé? Ça va, pardon. Hein? Pardon. Devant moi, allez, dégage! Allez-y, madame, allez-y! Je vais vous montrer comment vous avez fait. Tout ça, c'est important. Où tu as fait? Oui. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Oui, comment tu as fait le piège là pour me tuer là? Tu as fait ça comment? Le trou. Hein? Le trou comme. Oui. Et puis? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait tes pieds comme ça? J'ai dit, je fais comme ça. Ouais. Et puis le trou est venu. Le trou pour me tuer là est venu. Je te demande, madame. Oui, vous ne pouvez pas parler. Parce que je parle. Non, vous ne parlez pas. Si je n'ai pas parlé là. Mais on ne faut pas penser que j'en ai renforcé. Je ne te respecte pas, je parle. Non, tu ne me respectes pas. Si tu ne me respectes pas, tu n'allais pas vouloir me tuer ici. Tout ce que tu veux. Tu as fait quoi, puis il y a eu le trou là pour me tuer. Tu as fait quoi? J'ai dit, j'ai tapé mon pied là. Hein? Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il a tapé le pied là, puis c'est ça. Tout là. Et mais staff, tout là, c'est pourquoi? Il te demande! Tout là, c'est. C'était pour... Me tuer. Me tuer. Non, pas ça. Aïe, mais ici, pourquoi tu veux faire trou mystique? Je pas de trou. Oh. Je suis venu chez toi, t'as me déplacé. Oui, mais quand tu... Mais pourquoi tu viens faire trou ici, hein, mystique? Pourquoi? Parce que je suis descendu depuis là-bas, je sentais qu'on avait préparé les choses contre moi ici. Je sentais ça. Quand je suis descendu de la voiture, j'ai commencé à attaquer ça. C'est parti. C'est pas ça? C'est toi, je te demande. Mais pourquoi tu viens et puis tu crées ce trou mystique, mais tu es. Pardon, pasteur. Allez, pourquoi pardon? Pardon. Pardon, mon papa, pardon. Et il est ton papa? Mon papa. Tu as mangé ton papa? C'est l'homme de Dieu, là. Ah, tu n'as pas peur de l'homme de Dieu? Tu n'as pas peur de l'homme de Dieu? Tu vas y voir pas clair? Tu es mes âmes, c'est maintenant toi qu'on a peur.
La dernière fois, là, tu dis non, tu n'es pas dedans, tu es parti. Et tu n'as pas forcé. Pourquoi tu es revenu? Je te demande, pourquoi tu es revenu? À l'état de filles. Hein? Elle a une école chez vous là-bas de sorcellerie, elle a initié beaucoup d'enfants. Oui, elle est pas là, elle m'a mis Wata, tout ça dans l'eau. Elle n'a pas un petit pouvoir là, elle est dangereuse, c'est pas une petite sorcière. Vous mangez un monstre? Comment t'as mis l'église là? L'église là, tu es maman d'église non? Oui. Comment t'as fait pour mettre l'église en bas de toi? Tu mets l'église en bas, pourquoi? Ça te demande, il faut me répondre. Je fais. Oui, attends, attends, on te force ou bien? Attends, attends. C'est en français là, c'est un gros. Ah ah, viens. Guilé, c'est ça non, Diane? Oui, oui, Guilé. C'est Guy. Tu as rien de mon tigon. J'ai libéré les autres dangereux à la sorcellerie. Oula, vous êtes fidèle à la sorcellerie. J'ai dit, faut lui demander pourquoi elle, elle est maman d'église. Et puis l'église là, elle met ça dedans. Je veux dire, quand il me met chez moi. Moi, quand on m'a dit ça. Quand il m'a dit ça, c'est mon. Créer, il m'a mis tout. Elle dit quoi? Elle dit, c'est la sorcière qui l'a dérangé, qui a dit qu'elle n'a qu'à écrire ça en bas d'elle. En bas d'elle. Et puis après, c'est dans ça qu'ils vont faire. C'est là-bas qu'ils font l'air. L'air réunion, si, si. Là-bas, ils tuent aussi. Voilà. Maintenant, et mystiquement, tu vis à l'église, c'est en toi. Pourquoi tu fais ça? Hein? Mais pourquoi tu n'as pas dit aux gens on va te délivrer? Vous que c'est venu jusqu'à ici? Hein? Mais sa pointe n'est pas venu ici. Si tu avais dit aux gens, on allait t'aider. Facilement. On allait longtemps t'aider. Mais regarde, tu m'as provoqué, tu es venu la dernière fois dans le bureau. On dit non. Elle dit non, c'est là, elle parle. Elle est chaude. C'est maintenant elle est abaissée comme ça. Non, parce que je sais, moi je sais comment je l'ai neutralisé. Elle est venue, oui. Je lui ai dit, hé. Celle-là, ce sont des soeurs. Tu peux les mentir. Pas moi. Elle dit non, elle n'est pas sorcière. Elle dit, ton cœur là, où ça va t'envoyer là? C'est la mort, hein. Je ne vais pas venir pour tuer l'homme maintenant là. Si tu veux que je t'abats, je vais te faire attraper une bouteille. Tu vas attraper ça, tu vas me redonner. Je mets ça sur toi. Tu vas t'écrouler tout de suite. Je suis pas en train de m'amuser. J'ai dit à sa soeur, enlevez-la dans mon bureau. Tu sais, tu es sorcier, tu ne veux pas parler. Il y en a un coup maintenant. Boubou. J'ai parlé. J'ai dit, tu vas parler. Quoi? Je suis sorcier. Si tu reconnais maintenant, tu as vu comment ton cœur allait te tuer. Maintenant, je quitte. Tranquillement, il m'a Abidjan. Tu dis non. Maintenant, tu es parti, Abidjan, tu es revenu. Au lieu de rester tranquille, c'est piège, tu vas attraper Agouti. Tu crées un trou mystique, et puis moi, quand je rentre dedans, bourra, ça va monter, ça m'est tué. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Ça, il est là, il fait comme ça. Montre, comment t'as fait? Il fait comme ça. Et puis, t'as dit quoi? Quand tu fais là, il faut demander à dire quoi? Quand elle fait, elle dit quoi? Tiens, nous n'avons pas d'ouroua. Nous n'avons pas d'ouroua. C'est un trou mystique. Elle a côté. Quand je tombe dans un image, ça va me tuer. Elle dit pour elle, quand elle a tapé ses pieds, elle a dit,
que Dieu, il faut descendre sur le cœur de le pasteur. Pasteur, que... Non, 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 donc t'as pas fait le trou. Elle a fait le trou. Mais ça n'a pas fait le trou, c'est pour tuer. C'est ça, on la demande, mais pourquoi après ça, non, mais on ne traduit pas ça bien. Dieu ne peut pas venir te dire de faire trou. Ah, arrête ta connerie. Ni soit, oui, quand on délivre, on dit la vérité. Madame, quand on délivre les gens, la personne dit la vérité. C'est passé, tu as vu que tu ne le moins pas maintenant. Non, mais c'est. Pardon. Moi, depuis là-bas, j'ai senti quelque chose. Quand je suis descendu de ma voiture, j'ai commencé à prier. Moi, en 2 à 5 minutes, j'ai dit que ça va vos problèmes là. Moi, c'est en 5 minutes. Je vous pénalise. Tu sais ce qui est à moi, c'est Jésus. Tu connais Jésus? Pardon, moi. Tu me demandes pardon. De toi, moi, qui viens tuer son camarade? Il y a qui me demande pardon? Parce que tu voulais me tuer quoi? D'autres me demandent pardon. Maintenant, si tu étais mort, que tu m'avais mangé, je fais comment? Il ne peut pas mourir. Hein? Pourquoi tu peux penser qu'il ne peut pas mourir? Il ne peut pas mourir, maintenant tu mets piège. Pardon, je ne peux pas mourir. Tu as vu que la honte là? Tu as vu tout ce que tu as fait un jour là, Dieu allait te dévoiler comme ça. Tu es livré un spectacle un matin. Tu as tué combien de personnes? 27 personnes. Hein? 27 personnes. 27 personnes. Tu fais comment pour les tuer? Il les empoisonne. Tu les empoisonnes? Ouais. Tu fais comment? Il les mets manger là. Hein? Ça, il poison. Explique très bien. C'est manger là, il les poison. Tu les mets la poison dans manger. Et quand il mange, il meurt. Tu prends son âme pour aller manger. Maintenant, le pirigeois là, quand tu fais. Tu parles pour tirer l'âme des gens là. J'ai déjà la maison là-bas. Hein? Hein? Oui, papa. Et tu es maman d'église. Tu as l'église. Oui. Tu pratiques la sorcellerie. C'est quelle église? Pentecôte. Pentecôte. Hein? Hein? Non. Elle est dangereuse, hein? Pardon, papa. Tu as école de sorcellerie, c'est pas ça? C'est pas ça? Je te demande, madame. Oui. Allons-y, vite. Oui. On a déjà du boulot. C'est toi qui m'as provoqué. Oui. Sinon, je venais là, je mets dans mon bureau, je laisse les gens diriger et puis je commence à faire mon travail. Oui. C'est ce que tu as fait là. J'ai riposté. Oui. C'est ça, j'ai répondu à tes attaques. On ne me prend pas, hein? Laissez-y aller là, j'ai laissé là, c'est les morts là, si vous êtes délivrés. Hein? Et si là j'ai fait petite chose, où elle apprend, elle va aller mourir. Cancer va prendre tout son corps, hein? Où elle meurt, où elle achète la mer, les poissons la mangent. C'est pas ça? Tu me regardes? Papa, je te dis ça. Hein? Si tu es mort là, quand j'ai dans la mer, c'est pas ça? Faut pas, tu dis un. C'est qui t'a envoyé chez moi là? J'ai fait le retour l'envoyeur. Tu veux pas mourir? Tu dis quoi? Tu as peur de mourir? Tu veux pas mourir? Tu dis rien. Tu arrives comment? Ça là, tu peux éviter ça. Tu peux éviter ça, là, la honte là. Tu peux éviter ça. Là, tu viens provoquer. On est une brigade anti-sorcier. Et toi même tu es prêt pour déranger la brigade. C'est moi qui t'allais tuer. Madame. Papa. Tu as vu que tu as échoué, non? On t'a forcé. Tu dis non, tu t'entends. Tu es pas là à la maison. Moi ici c'est comme ça. Va, allez. Tu n'es pas sorcier. Allez, va chez toi. On a affaire aux gens qui veulent te délivrer. Aujourd'hui tu viens. Tu viens avec lui. Attention, dis-moi la dernière chose. Après ce piège-là, quel est le plan? Parce qu'ils ont toujours un plan B. Quel est ton plan B? Explique ça. Ton dernier truc, me tuer, c'était quoi? Ah, mission, moi, derrière moi. Quand il y a la mission qui dégage. Derrière moi, planter le blé, quoi, pour aborder. Non, c'est planter le blé. Hein? C'est planter le blé. Ici, là, elle a une flèche mystique, là. Voilà. Elle a une flèche mystique là. N'est-ce pas?
Elle a une flèche mystique. Voilà. On a dit non. Voilà. Elle a une flèche mystique là. Voilà. Ici, elle a échoué. Ok. Maintenant, elle a appliqué ça. Cette flèche-là mystique. Vous m'envoyez ça dans le corps. Elle s'est préparée pour venir. N'est-ce pas? C'est toi qui demande, madame. Tu me regardes comment? Tu me moins. Celle-là, ça a loupé. Tu ne me mets pas. J'ai dit à moi, mon cœur et ton cœur, là, c'est pas pareil. Toi, tu tues et tu manges. Moi, j'aide les gens. T'as pas le même cœur. Quelqu'un a compris. On te parle de ce que tu as fait. Ton plan B. Osez vous avez bien expliqué. Oui. On a dit. On a dit. On a dit. Mission Wade. Peut-être dedans, là-bas, la mouillon. La mouillon. Voilà. Voilà. Paf, à la lettre tapée. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est qu'ils ont toujours un plan B. C'est un autre. Mais c'est comme l'armée. Allez, dégage là-bas. Attends, tu veux être délivré, tu rentres. Ou si tu ne veux pas être délivré, tu t'en vas. Je veux délivrer. Hein? Je veux délivré. Je veux délivrer. Imbiam. Délivré. Yaya. Délivré. Délivré. Ok. C'est qu'on va faire. Ici là, on ne te force pas pour entrer. Hein? On ne la force pas, hein? Non, ouais. Non, on ne te force pas. Je vais pas te forcer. Tu n'es pas d'accord, ok. Tu prends tes clics et claques, tu t'en vas. Je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord. Pour faire quoi? Pour délivrer. Ok. Allez. Wow. D'accord de moi, vous êtes. 2016 là, il y a un touriste, vous allez comprendre. Sorcière. Vous avez loupé un piège. Je suis abouti ou bien. N'ayez pas peur. C'est sous contrôle, amen. Amen.